Tu es élevé, 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 tu es élevé
au-dessus est incusable. Tu es élevé. Tu es élevé. On m'avait dit que cette dame ne pouvait plus enfanter. Pourtant, Jésus, tu es élevé. On m'avait dit que cette situation était terminée. Pourtant, Jésus, tu es élevé. Oh, on m'avait dit que cette pandémie. Il est élevé au-dessus de tout système de pensée. Il est élevé. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Santa Yaraba, Santa Yaraba, Santa. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un croit, alléluia, que Jésus est élevé au-dessus de tout? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est élevé au-dessus de tout? Alléluia. 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 Par-dessus tout, il est élevé au-dessus de notre compréhension. Ce qui fait défaut à réaliser que Jésus est élevé au-dessus de tout, c'est nos pensées, notre imagination, notre compréhension. Mais la parole de Dieu dit aussi loin sont élevés les cieux de la terre, aussi loin ses pensées sont. Ne limitons en rien Dieu. La parole de Dieu commence par « Au commencement Dieu ». Il n'y avait rien, mais Dieu a fait de rien quelque chose. Notre Dieu est Dieu. Il n'est pas juste... Moi, je ne viens pas... Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je ne viens pas ici pour un rituel. Je ne viens pas parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien. Je viens pour rencontrer Dieu. Je viens rencontrer le seul et unique vrai Dieu. Peu importe ce qui se dresse, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des esprits méchants sur lesquels nous avons tout pouvoir. Quel que soit ce qui peut se dresser devant l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous allons battre nos mains, nous allons pousser des cris de joie vers l'Éternel, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, il y en a qui disent, mais t'es pas fatigué de prier à ce Dieu qui ne répond pas. Ça fait, je sais pas, des années que tu pries pour cette situation, ça n'a pas bougé. Et vous savez pourquoi l'Église, c'est bon? Parce qu'il n'a pas encore bougé pour moi. Mais je sais qu'il a bougé pour mon frère. Je sais qu'il a bougé pour ma sœur. Je sais qu'il a bougé pour mon autre frère. Je sais qu'il a bougé pour mon autre sœur. Et je sais qu'il va bouger à un moment donné dans ma vie. Quand, je ne sais pas, mais il va le faire. C'est le même Dieu qui l'a fait une fois. Il va le refaire encore. Je vais juste attendre patiemment. Et pendant que j'attends, je loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et je loue Dieu pour ce qu'il va faire encore. Je vais louer Dieu parce qu'il est Dieu. Juste parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je ne le loue pas parce qu'il a fait. Je le loue parce qu'il est Dieu. Et c'est un privilège d'être dans la présence de ce Dieu-là. Alléluia. Battons nos mains pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia.